Salut les gamers, bienvenue sur ma chaîne. Et aujourd'hui, on va faire un petit jeu très vieux. Voilà, The Visitor, Kitty Cat Carnage. Et c'est un jeu click and point. Assez gore. C'est ça qui est si cool. Donc, à ce que je comprends bien, c'est une histoire d'un extraterrestre, un ver de terre extraterrestre, voilà, qui débarque sur Terre et qui essaye de tuer tout le monde. Voilà. Bon, voilà l'intro. Bah, il arrive via une météorite. Et voilà, le petit ver de terre avec les petites antennes. Donc, hop, hop, hop. Bon, là, je vois qu'il y a une maison. On va essayer de se balader un peu. Hop, pour voir ce qu'il y a. Bon, graphiquement, c'est pas mal. C'est très animé. J'aime bien les couleurs. J'aime bien la patte de dessin. Bon, on va essayer de rentrer dans la maison, hein, vu que elle est là. Ah, je vois qu'il y a une petite clé. La petite clanche. Bon, on va cliquer la clanche et la clé. Voilà, hop, c'est ouvert. Tranquille. On rentre dans la maison. Elle fait quoi, le mec? Ah ouais, il y a deux chats. Ah ouais. À peine que je bouge, le chat, il me bute, quoi. Ok. Bon, on va essayer de... Putain, merde. Fiché là. Putain, à peine que je bouge. Je lui clique à peine dessus, il me coupe en deux. Et c'est bon. Bon, on va essayer d'aller à la porte. Voilà. Parce que... Il m'a saoulé, le chat. Ah. Voilà, sa litière. Sa petite gamelle. Est-ce que je peux mettre la litière dans la gamelle? Ah, petit mixeur. Je mettrais bien le chat dedans. Mixeur plus litière plus... Ah, une petite clenche. Et... Oh merde, il y a une sonnette. Putain, il arrive. Ah bah ouais, il va me buter direct. Bah ouais. Sale bête. Le frigo. On va essayer. Ouvrir le tiroir avec le poisson. Ah. Donc, on va mettre le mixeur et le poisson. Voilà. On va le donner à manger au chat. Dans la petite gamelle. Voilà. Et on va l'appeler. On va l'appeler le chat. On va l'appeler. Dingling. Ah bah ouais, il me tue. Parce que je suis pas caché. Est-ce que je peux me cacher dans le frigo? Non. Dans le mixeur, mauvaise idée. Dans la poubelle. Dans la litière, non, dégueulasse. Dans le frigo, c'était pas mal. Bon, bah ouais, j'essaie. Bah non. Voilà. Ah non, il m'a vu, il va me buter, hein. Où est-ce que je peux me caler? Moi je clique partout. Hein. On va aller de l'autre côté. Et je vois que le chat et lui s'amuse avec le laser. C'est impossible pour moi de passer. Okay. Il me tue direct. D'accord. 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 Mais c'est bon. Je crois qu'il m'a tué au moins une dizaine de fois. Je pense. Je vais compter combien de fois il va me tuer parce que là. Merde! Mais pourquoi je reclique dessus? Il me retue, bordel. Bon. Tout se passe dans la cuisine, je suppose. Dans la litière. Le mixeur. Avec le. Ah! Ah, bah, je me suis caché. Dans la gamelle. Pas mal. Il bouffe. Allez, mange. Surprise. Oh. Autre espèce. Il a chié le tout. Ah, il s'est vidé, quoi. Ah, c'est horrible. Ah, et puis l'autre, il la remange.
dans la litière. Qu'est-ce qu'il y a? Bon bah je pense que... il restait une vieille peau du chat dégueulasse. Bon, passons à lui. Parce que le but c'est quand même de tuer les humains. Les humains. Bah tuer les chats déjà. Alors, le laser. Plus l'alcool, non, c'est pas bon. Moi je vois bien pointer le laser vers le ventilo. Et le chat il saute dessus. Mais. Ah. Sans la bibliothèque, le chat il fait un truc chelou. Donc c'est pas ça. Là on a les bonbons. Plus le ballon d'exercice de yoga. Ah voilà. Les bonbons, on les met dans le petit sac. On va arroser de Jack Daniel, non. Le laser vers le bonbon non plus. Laser plus ventilo. Il saute pas assez. Faudrait qu'il grimpe sur la bibliothèque. Ça serait pas mal. Donc allez, le chien grimpe sur la bibliothèque, bordel. Donc ouais. Laser plus. Ah putain. Laser plus la commode. Voilà. Le petit chat monte dessus. Et après. Ah bah non, il y va pas. Surtout, il y a une sale gueule. Allez, le chat. Attaque. Je le fais bourrer la gueule au whisky. Ah, mais lui aussi, il me tue. Décidément. Donc on va trouver une solution. L'autre côté. On peut pas prendre la peau de l'ancien chat. L'autre, il va pas vouloir bouffer. Il a rien dans le frigo, je peux rien cliquer. À part la serrure. Ok. Bon. On retourne de l'autre côté. Le whisky. Plus. Les croquettes, non. La balle. Plus l'armoire, non. On va pointer le laser vers l'armoire. Le chat, il se prend une gamelle. Il se prend l'armoire en pleine face. Mais saute sur le ventilo, bordel. Bon, vas-y, je clique sur l'astuce. Hein. Bah voilà. On croche. Les petits bonbons sur l'armoire. Je vais toujours pas trouver. Balle plus les croquettes. Il dit les bonbons, désolé. Le laser sur la table basse. Ou la commode. Là, le chat. Il va toujours pas dessus. Je lui fais boire de l'alcool, non? La balle plus. Non. Le whisky plus les croquettes. Plus la table basse. Ah, la table basse, on peut la sectionner. J'ai pas vu. Donc les bonbons, les lasers. Non, c'est pas bon. On va essayer de pointer le laser vers le ventilo. Non, c'est pas bon. Ce serait bien que la balle. Bah attends, la balle elle s'en. Putain, il me retue. Je vais essayer de mettre la balle sur la table basse. Laser d'abord. Il va où? Non, il n'y a rien dans la cuisine à part le tiroir qui est fermé à clé. Bon, il n'y a rien par là. Putain. Bon.
Ouais, c'est la balle. La petite commode. Non, là ça vend pas, le whisky et la balle. Oh mais... On va tout essayer. Le ventilo plus la balle. Non plus. Ah, la balle sur la table basse. Voilà. Comme ça, le chat, il va pouvoir sauter dessus. Il rebondit. Ah non. Même pas, même pas. Dang, c'est quoi le bordel? Elle est top. La bibliothèque. Allez, un gros grimpe là-dessus. Comment est-ce possible? Plus le whisky, c'est pas bon. J'aurais tout essayé. Le laser, plus. Plus la commode, non? Le ventilo et le laser. Allez. Putain, mais il y va pas. Il manque quelques centimètres, bordel. Elle regrimpe sur ta petite commode. Ah, mais non. Il est pas assez lourd, le chat. Le laser et la commode. Regrimpe dessus, ça, c'est sûr. Ah, il fait tomber la bibliothèque. On va voir les croquettes. Et le laser au ventilo. Oh, ils sont broyés là-haut. Oh, bon, bah, on va manger les restes. Bon, bah, c'est un carnage. On va aller à côté. Ah, la mamie, elle se casse. Oh, il y a un fusil. Donc là, on arrive dans le salon. On va dire. Dans une autre pièce. Et je vois qu'il y a un chat là-bas. Il n'a pas l'air de trop bien bouger. Et moi, hop, la petite clé, voilà, qui va ouvrir le tiroir de la cuisine. Et un couteau. Et des... Et deux balles de fusil. Deux cartouches, pardon. Donc forcément. Ah eh ben il est fermé. Enfin, il est fermé à clé. Putain, il y a d'autres chats. Il m'a vu. Donc ça, c'est les cendres de la bien grand. Et celui-ci. Une hache. Ah ben voilà, on va couper le... L'arbre à chat, il est tombé, il renverse la petite gamelle d'eau. Avec la prise de courant, peut-être. Hop. On va l'électrocuter. La prise et la flotte. Traumatisez les chats. Ne faites pas ça chez vous. Traumatisez pas vos chats. Il a mis la vase dans la gueule. Ah, mais il y a la clé. Bon, on va y aller au fusil. Je pense que ça va être mieux. Petite cartouche dedans. Bim. Oh putain, je tire dans l'œil. Oh le bâtard. Pauvre chat. Ok, je vois que... Les petits vers de terre extraterrestres, ne blague pas, ils font ces bordels. Oh putain, je leur coupe la tête avec la hache. Putain. Mais l'autre, il bouge encore. Psychopathe. Ok. Oh, deuxième coup. Mais ouais. Il va allumer le feu. Et le briquet, là. Et le
Ok, il y a le briquet. Allez, allume-le. Allume le feu. Oh putain, il me tue. Comment est-ce possible? Il manque une tête. Il a un œil en moins. Et il va me buter. Je vois que c'est là que le whisky va servir, je pense. Il faut quand même quoi alimenter la combustion. Voilà, Jack Daniel plus briquet plus matou barbecue. Voilà. Allô, au cheminée. À la cheminée. Et voilà, ok. Mais putain, il a bien bouffé. Un coup de fusil. Attends. On va le jeter dans le feu. H. Non. Coup de H, non. Le laser, on peut comprendre. On peut pas mettre la tête. Ah oui, un couteau. Ah ah. Vous voyez le couteau. Hein. On va lui desséquer. Ça peut être cool. Donc un couteau plus la petite bichette. Bim, je lui crève notre œil. Oh, on lui perd son crâne. Bon bah voilà, là il est vraiment mort. Donc. Eh mais non, il est pas mort, il vient de me bouffer. Putain, c'est quoi ce délire? Ah, il veut plus que je bouge. Il ne veut plus que je bouge. Putain, il fait comme bouffer le bâtard. Bah, coup de fusil, hein, mais bon, non, j'ai plus qu'un bouge. Électricité. On le jette dans le feu, bordel. Non. Ah, sur la route. Là, je l'ai empaillé là-haut. Embranché. Putain, la vie. Son oxygène pour respirer dans la pièce, ça revient dès qu'on appuie sur l'alarme. D'accord, c'est la salle de bain, toilette, salle de bain. Normal. What? Elle m'a vu. Putain, elle m'a embroché. On va percer le crâne. Ah, on va ouvrir l'eau chaude, bien sûr. Faire couler son bain. Qui lui fait de la bulle sur les lunettes. Pas mal. Qui. Son dentier. Oh putain, je me mets à la place du dentier. Ah bah non, mais si j'ai ses lunettes, et voilà, forcément. Et moi tu. Pas mal, pas mal. Du coup. Voilà, je déroule tous les PQ. On va pas pouvoir s'essuyer avec. Essuyer les lunettes, bien sûr. Donc là, elle vient d'appuyer sur ses lunettes. Elle ne trouve plus les papiers. Et du coup, oh, elle me met dans la bouche. Moi, lequel. Je lui arrache la moelle. Bah ben voilà, j'ai tué la vieille. Bon, ben c'est tout. Bon, après, il y a plusieurs fins. Donc, voilà. Bon, à plus les gamers.